Le statut général des autorités administratives indépendantes AAI a été adopté lundi 13 mars 2023 au Conseil national de la transition CNT. Sur les 55 conseillers nationaux présents, 8 se sont abstenus de voter favorablement le dit texte. Par définition, les AAI sont des institutions de l'État chargées d'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels l'État n'entend pas intervenir directement. Il est à noter que, dans l'exercice de leurs attributions, les AAI peuvent interpeller, arbitrer, sanctionner, prévenir, promouvoir, sécuriser, protéger en toute indépendance afin de garantir l'impartialité des interventions de l'État, le respect des règles de la concurrence, la jouissance des libertés et droits inhérents à l'exercice des professions, activités relevant des secteurs régulés. La participation inclusive des professionnels des secteurs contrôlés, la protection des droits des citoyens, l'appui aux acteurs et aux opérateurs en faveur des meilleures pratiques, un bon climat des affaires, une meilleure relation entre l'administration et l'administré. C'est le secrétariat général du gouvernement de transition qui a introduit le texte portant statut général des autorités administratives indépendantes au CNT. Abdourahmane Sike Camara a déclaré que ce texte de loi vient combler un vide juridique qui n'a que trop duré. La loi que vous allez certainement adopter aujourd'hui, il faut le reconnaître, comble un vide juridique qui a été longtemps considéré comme une contrainte majeure pour notre administration dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance de nos institutions et de certains secteurs stratégiques de notre pays. Dans le contexte de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle prônée par les autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, la mise en place des institutions fortes devient une réalité qui permettra de résister à la tentation des hommes. Le président du Conseil national de la transition a quant à lui indiqué que le statut général des autorités administratives indépendantes devra permettre de créer un cadre d'investissement dans divers secteurs de développement en Guinée. La mise en place des autorités de régulation dans le domaine du développement des infrastructures permet de créer un cadre propice à la promotion des investissements privés conséquents en vue de la multiplication des chaînes de valeur dans les secteurs où la Guinée est compétitive, les mines, l'agriculture, la pêche, l'énergie, etc. L'option libérale de 85 s'est beaucoup confinée à la mise en œuvre de politiques d'ajustement structurel dictées par le FMI et la Banque mondiale. Elle s'est très peu investie dans la mise en place d'un cadre juridique institutionnel pouvant encourager les investissements directs étrangers et l'éclosion d'un secteur privé national dynamique. L'exercice s'est soldé par un bradage systématique de quelques unités publiques de production de biens et services, héritage de la Première République. Au terme de la plénière, le président du CNT a déclaré officiellement l'adoption du statut général des autorités administratives indépendantes par la majorité des conseillers nationaux présents.